Je vous le disais en titre, Matthei Brodersson et sa liste Tereo Amouine Outurua sont donc les grands vainqueurs des élections municipales partielles à Outurua. Avec 817 voix d'avance contre 10 en 2020, sur son adversaire Sylvain Teruatea, Matthei Brodersson va retrouver son fauteuil de maire dans quelques jours. 80,11% des électeurs ont voté hier. Le point avec Jessica Doucetou Ahou et Ronnie Moufat. Il aura fallu un seul tour à Matthei Brodersson pour s'imposer dans ces élections municipales partielles. Avec 64,2% des voix, il bat son adversaire Sylvain Teruatea haut la main. Il confirme ainsi la volonté des électeurs de voir un changement à la commune. Vous attendiez un peu à ces chiffres ? Oui, mais pas autant que ça. Hein. J'avais demandé une voix d'avance la première fois, on m'a donné 10. Là, j'ai redemandé encore une voix d'avance, on m'a donné 800 voix d'avance. 800 voix, c'est énorme. Parité au royaume, hein. Je respecte le choix de la population. Battu de 10 voix seulement au deuxième tour en 2020 par Matthei Brodersson, Sylvain Teruatea a issu de nouveau une défaite, mais cette fois, avec 817 voix d'écart, la sentence est sans appel. Ben, on attendait au moins plus que ça, mais voilà. La population s'est prononcée, que je respecte. Mais il faut dire que on était tout seul à se battre contre un gouvernement. Ils ont donné des frais au péage, des CIS, 62 CIS du jour au lendemain. Donc c'est pas bien. Sur les 27 sièges prévus au conseil municipal, Tereo Amouine Outurua de Matthei Brodersson s'en octroie 22 contre 5 pour la liste Outurua Totato Ure de Sylvain Teruatea. L'investiture se tiendra le 28 juin prochain.